L'inaudible.com. Je ne crois pas au clonage humain, je ne crois pas à ce genre d'histoire. Dead is dead. Nous sommes donc en train de mettre en œuvre le crash du système planète Terre. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! This is Mission Control. 2049 transmission concluded. Un virus informatique peut-il perturber le fonctionnement d'une centrale nucléaire, d'un réseau électrique ou de traitement des eaux? Est-ce que nous cloner, est-ce que faire exactement notre double en tout, est-ce que c'est digne d'une personne humaine? Qui sait quel est l'avenir géopolitique du monde dans un siècle? Pas moi. L'imaginary timeless like another direction in space. Oxymute. Le grand débarras. Épisode 7. Bon, j'ai beau être un monstre de patience, ça commence à m'agacer. Ce monde court à sa perte, c'est pas nouveau. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il court de plus en plus vite. Il court même tellement vite qu'il pourrait nous rattraper plus tôt que prévu. Et personne n'est capable de me dire où on va. C'est quand même incroyable. J'ai un équipage qui piaffe d'impatience, qui ne demande qu'à partir. Je suis entouré des cerveaux les plus affûtés du monde, des esprits les plus inventifs du moment, et aucune destination en vue. Il faut avancer maintenant, coûte que coûte. Je suis Kanitoshi et je vais recréer le monde. Day Wadarushirs, A de Compilations, Wasililis TJ Ryusia Labarhe. Jamisli Basi Sur Les Estimations du Laboratoire de Beatabilité Planetaire, de l'Université de Puerto Rico, Arecibo. Lieutenant, si vous voulez bien déposer les. À vos ordres, monsieur. Voilà! Ah oui, quand même! C'est du lourd, votre dossier, dites-moi. Il y a combien de pages là-dedans, vous, Queen? Je ne les ai pas comptées. Quelques milliers, sans doute. J'ai croisé les données avec les résultats de nos propres recherches, et je crois pouvoir vous dire que c'est relativement exhaustif. Et qu'est-ce que je suis censé faire de cette masse de documents, dites-moi? J'ai aussi un copy digital. Je veux dire numérique, si vous préférez. Lieutenant? Oui, monsieur. C'est prêt, monsieur. Ok. Voici donc les principaux destinations envisageables. Je n'ai retenu que les planètes habitables, c'est-à-dire des planètes telluriques, où la pression atmosphérique est suffisante pour maintenir l'eau à l'aide de liquide à sa surface. Lieutenant Vavaroon? À vos ordres. D'après les estimations communément admises, et si l'on extrapole à partir des observations de nos télescopes spatiaux, il pourrait y avoir jusqu'à 40 milliards de planètes similaires à la Terre, orbitant dans les zones habitables d'étoiles, dans la Voie lactée. 11 milliards d'entre elles pourraient graviter autour d'étoiles semblables à notre Soleil. Nous avons sélectionné celles qui répondent à 8 critères différents. Un indice de similarité avec la Terre, que nous appellerons IST, un indice d'habitabilité primaire standard, SPH, un indice de distance de zone habitable, HZD, un indice... Vous pouvez passer les autres indices, Lieutenant. Nos auditeurs s'impatientent. Bien, monsieur. Voici donc les principales pistes retenues par croisement des indices. Duvel 1D, mésoplanète, 39,5 années-lumière. KWB 1686, mésoplanète, 470 années-lumière. Newton 438B, psychroplanète, 996 années-lumière.
Diego 298B, bon. Thermoplanète, 1914 années-lumière. Voilà. LHS 1140, Mésoplanète, 39,5 années-lumière. Très bien, très bien. Sierra Nevada chose, F, Mésoplanète, 12,7 années-lumière. Vous avez des cacahuètes ? Captoline B, Psychroplanète, 40,67 années-lumière. Kepler 174D, Mésoplanète. Non, ça va aller, là, ça va aller. Vous allez nous en faire combien comme ça ? Un petit millier de Bruno Calco. Oui, bah écoutez, ce sera pas la peine. Hein. Ingénieur, je ne remets pas en cause la qualité de vos travaux, mais nous n'avons pas le temps. Pas le temps, je vous dis. Continuez d'affiner vos recherches, hein, et revenez nous voir quand l'éventail sera plus restreint. Ça va, Brand du Pen, Kenny-san. Sans doute, mais nous n'en avons pas, je vous l'ai déjà dit. Le grand débarras approche, il faut mettre les bouchées doubles. Si je puis me permettre, ingénieur, rien ne nous empêche de continuer nos travaux, même après le départ. Nous sommes équipés pour ça. Mais tout à fait, lieutenant Vavavoum. Commandeur, arriverez-vous à mettre la flotte en mouvement, même si vous ne connaissez pas notre destination ? Absolument, Kalisama. Rien de plus facile. Dans l'univers, aucune direction n'est préférable à une autre. C'est un principe cosmologique immuable à ce que je me suis laissé dire. Très bien, très bien. Nous ferons donc comme ça. Merci, lieutenant, pour votre coopération. Ingénieur O'Quinn, vous reviendrez vers nous quand vous aurez affiné votre liste de destinations. Eh bien, disons à une. Ce sera très bien. Bon, je commence à avoir ras-le-bol, là. Oh. Petite fatigue, là, dis donc. Ouais, faut que je vérifie ce que je viens de taper, quand même. Map list. Radius. Map. H-stream. Champ set. Ah, tiens, qu'est-ce que c'est, ça? J'ai pas tapé ça, moi. Mais c'est quoi, comme code, d'abord? Pas du Python, pas du Fortran, pas du Cobol, non plus. Puis c'est au milieu d'un truc en C++. Donc ça a rien à foutre là. Ah, oh, cet intercom. Oui ? Pythagore, je te dérange ? C'est Audrey. Oui, Audrey. Non, tu me déranges pas, mais je suis au milieu d'un truc. Oui, je te dérange, j'ai compris. Mais j'en ai pas pour longtemps, je suis en route pour la Lune, là. Une livraison. Toi, tu pilotes un cargo ? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous avec ça ? Oui, il m'arrive de piloter des cargos. Ça te défrise ? Non, Audrey, pas du tout. C'est juste que c'est surprenant, c'est tout. Bref, je passe la soirée sur la base lunaire et je me demandais si ça te dirait de prendre un verre de borgnole avec moi aux Sweeties. Oh, tu sais, moi, les boîtes de nuit... Ou ailleurs, si tu préfères, je m'en fiche, moi. C'est juste histoire de pas me retrouver toute seule aux messes avec les autres glandus. Contrôlez pas libre ce soir, c'est ça ? Non, mais, hé, qu'est-ce que c'est que ces allusions à la noix ? Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que je te demande avec qui tu sors, toi ? Non, mais... Tu crois que ça m'intéresse, ta vie sexuelle, peut-être ? Écoute, Audrey... Ben non, ça m'intéresse pas, parce que t'en as pas de vie sexuelle, si ça se trouve. Alors moi, si ça te dérange pas, je sors avec qui je veux. Et si je te demande de prendre un verre avec moi, tu me dis oui ou non, et tu commences pas à m'interroger sur mes raisons, c'est compris ? Audrey ? Quoi ? T'es pas commode, tu sais. Oui, je sais, t'es pas le premier à me le dire, figure-toi. T'es loin de la base ? Je viens de commencer la procédure d'atterrissage. Vaisseau cargo, navette 605D à contrôle base lunaire, vous me recevez ? Je te retrouve au poste d'enregistrement dans 10 minutes. Et je t'invite à dîner. Au Sweeties ? Où tu veux. Bon, je t'attends à l'enregistrement d'ici un quart d'heure. Ok. Mais je t'attendrai 10 minutes, pas plus. Si tu ne te pointes pas, j'appelle contrôle. Ok. Bien reçu, sergent Bac, à tout à l'heure. Bon, j'en étais où, là ? Ah ouais, le code bizarre. Qu'est-ce que je peux... Oh, et puis tant pis, hein. J'envoie comme ça, ils vérifieront la supervision. Ils sont là pour ça. Ils trouveront bien d'où ça vient, ce putain de code. Allez ! Pas question d'être en retard à mon regard. Oui. Ah. Attention. Oh, et... Merde. Encore perdu.
complètement con ce jeu, de toute façon. Je claque, moi. Heureusement que ma journée de travail se termine dans moins de 10 minutes. Et pas trop tôt. Oh, allons, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Pythagore ? C'est Astor-là qui m'envoie son code, lui ? Qu'est-ce qu'il croit ? Que j'ai que ça à faire, peut-être ? De toute façon, je comprends rien, moi, à ces gribouillis. Je devais te l'envoyer direct à la compilation, ça va pas traîner. Parce que si je passe par le contrôle des bagages, ça va encore prendre des plombes. Et j'ai d'autres chats à fouetter, moi. Allez, démerde-toi avec ça. C'est qu'on m'attend au pub, figure-toi. C'est le jour du borgnole nouveau. Et on n'a jamais vu Mibille rater une livraison de borgnole. Monsieur Omega, le verrou de la nacelle était pas bien fermé. Et dans ces cas-là, on peut ajouter toutes les sécurités qu'on veut. Si c'est pas bien fermé, c'est pas bien fermé. Non, mais c'est pas de votre faute, Simone, vous inquiétez pas. Ben, un peu quand même, j'aurais dû vérifier deux fois. De toute façon, ça sert à rien de se lamenter. Ce qu'il faut, c'est retrouver ce foutu clone défectueux. Et y a que vous qui pouvez me dire à quoi ressemble un dev clone. Ah bah ça, c'est pas si facile. Y a rien qui ressemble plus à un clone qu'à un autre clone, vous savez. Enfin, je dis pas ça pour vous, monsieur Omega. Non, je comprends. Je voulais pas dire qu'ils se ressemblent tous, bien sûr. Vous avez tous vos spécificités, vos caractéristiques. Vous inquiétez pas, Simone. Je suis pas susceptible. Ce que je veux dire, c'est qu'un clone défectueux, au début, y a rien qui le différencie d'un normal. C'est avec le temps qu'il se dégrade. Ah oui ? Et il se dégrade comment ? Ben, physiquement, d'abord. L'organisme commence à s'abîmer. Il vieillit prématurément, l'épiderme présente des signes de corrosion, la colorimétrie se détériore, des lambeaux se détachent progressivement, et à la fin, bah, on peut dire qu'il part carrément en morceaux. Ah bon ? À ce point-là ? Ah mais oui, c'est très impressionnant, vous savez. Et intellectuellement, c'est pareil. Les fonctions cérébrales diminuent progressivement, il perd ses facultés cognitives, son sens du discernement, et petit à petit, il devient comme une sorte de robot. Un robot dont la seule préoccupation est la survie. Oui, je vois, et ça va à quelle vitesse ? Comment ça, à quelle vitesse ? Non, je veux dire, le processus, l'évolution, c'est rapide ou pas ? Ah, bah ça, tout dépend du sujet. Il y en a qui vrillent quasiment tout de suite, et d'autres qui incubent pendant des années avant de développer les premiers symptômes. Eh ben, me voilà bien avancé, moi. Mais, en tout cas, pour ce dev-clone-là, je dirais que le processus est déjà enclenché. Ah bon ? Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Regardez, là. Où ça ? Là, par terre, ces petites taches. Des taches à un pas de tir ? C'est pas inhabituel. Ça peut être de l'huile ou du carburant. Sauf que c'est ni l'un ni l'autre. Regardez de plus près. Touchez et sentez. Ah oui, ça sent. Ça sent comme de l'eau de fleur d'oranger. L'odeur caractéristique du clone en début de décomposition. C'est du fluide vital. Il en a perdu un peu ici. Ah bon ? Vous voulez dire que... C'est ça. Votre dev clone est passé par ici, et il n'y a pas si longtemps. Sur le pas de tir ? Mais qu'est-ce qu'il peut bien chercher sur le pas de tir ? Rien, ou n'importe quoi. Difficile à dire. Leur comportement est assez imprévisible. Un clone défectueux, tout ce que ça veut, c'est survivre, par tous les moyens. Ah oui, tous les moyens. Alors si je comprends bien, le mieux ce serait de le choper rapidement, sinon... Sinon, tout peut arriver. C'est ça. Je sais pas, moi, votre ingéniosité. Je sais pas pourquoi. À la compilation, on affirme que ce code est suspect. Qu'en pensez-vous ? Bah, j'en pense pas grand-chose. C'est du code. Vous comprenez ? Oui. Moi, je comprends. Mais pas moi. Moi, j'ai pas eu la formation à ce truc. Et le débugage doit laisser passer ? Bah, je sais pas trop ce qui s'y passe au bidugage, moi. Mais si c'était si grave... Il l'aurait signalé, non ? Sans doute.
ATRADJ, the code. Ah, ça, c'est encore un coup de Pythagore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pythagore? Oui, Pythagore, les doigts d'or. Un développeur. Une forte tête. Surpayé pour ce qu'il fait, si vous voulez mon avis, votre béatitude. Je suis sûr que c'est de sa faute, tout ça. Hey, il est doué, ce Pythagore. Doué? J'en suis même pas sûr. Il fait rien qu'à râler et à faire son crâneur. Aucun sens de la hiérarchie. Passe son temps à fricoter sur l'internouille. Good. Quoi, good? Merci pour votre rapport, supervisor. De rien, votre génie. Et qu'est-ce que je fais alors, avec Pythagore? Je le vire? Je m'en occupe, supervisor. Ne fait rien de spécial, comme d'habitude. Ah ok, ça je sais faire. À vos ordres, votre machinitude. Et continuez à m'éteindre au corps. Au courant? Au courant de quoi? De tout ce qui pourrait se produire d'anormal. Absolument, votre ingéniste, absolument. Comptez sur moi. Et voilà, cette fois c'est la bonne. Tout va bien? Vous êtes fin prêt? Parfaitement prêt, sergent. Plus que prêt, impatient même. Pas vrai, Violette? Tu l'as dit, Constance. Depuis le temps qu'on se prépare, ce serait dommage. Comme l'a dit Simon Baritige, le philosophe valpurnien, tout vient à temps à celui qui l'écoute. Oui, ben, c'est pas le moment de philosopher, Schmock. C'est plutôt celui d'embarquer. Vous avez vos packages? Oui, chef! Bon, ce soir, vous êtes sur la base lunaire et dans deux jours, vous vous installez à bord du Leadership Margarita. Je compte sur vous pour faire honneur à votre formation et à vos grades. Monsieur Schmock, en tant qu'officier en second, vous aurez la lourde tâche de seconder le commandeur. Ça exige du sang-froid et de l'initiative. Je n'en manque pas, sergent. Oui, je sais. Pour le sang-froid, en tout cas, je vous fais confiance, les Valpurniens sont réputés pour ça. 13 degrés 5, sergent. Pardon? Le sang des Valpurniens ne dépasse pas les 13 degrés 5. 13 degrés 5, c'est un taux qui me convient. Lieutenant Vavavoum. Sergent? En tant qu'ingénieur propulsion, c'est sur vous que reposera le sort de la flotte. Ce sera à vous de guider l'humanité dans les méandres de l'espace-temps, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, sergent. Ça va pas être de la tarte tous les jours, si vous voulez mon avis. Enseigne Flux. Sergent. Vous serez la responsable des communications. Oui, sergent. À mon avis, ça sert à rien, mais on me l'a pas demandé, mon avis. On me le demande jamais, de toute façon. Je compte sur vous pour assurer vos fonctions avec la rigueur, la discipline et la ténacité dont vous avez fait preuve pendant tout l'entraînement. Oui, sergent. Bon, et maintenant, cassez-vous. Montez dans cette putain de navette et filez prendre vos fonctions. Chef, oui, chef. Attends, Violette, tu oublies ton étui, là. Ah oui, j'avais pas vu, merci. Heureusement que t'étais là. Bah, c'est à ça que ça sert, les copines. Bonjour, j'aimerais bien que vous m'expliquiez cette notion de copine. On ne connaît pas ça sur Valpurnia. Ça ne m'étonne pas. C'est vrai que pour ce qui est des relations humaines, vous n'êtes pas hyper confiants. Et pour une bonne raison, nous ne sommes pas humains. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la ville peindra de faux dieux. Sous les bocages s'évapore l'odeur du soir fêté. Vaisseau cargo navette 308D, ici contrôle lunaire. 308D à l'écoute. Procédure compte à rebours nominale, départ confirmé. Commencez checklist finale. Bien reçu, contrôle. Réservoir oxyde de glucospinache. Sous pression, réservoir de glucoliquide. Ventilé, réchauffeur des joints de propulsion. Hors tension, orbiteur autonome. Sous tension, T-30 secondes. Mise en route de la séquence automatique. À tous de contrôle, attention pour le décompte final. Bien reçu, contrôle. 10, 9, 8, 7, 6. Allumage des moteurs. 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage des propulseurs. Et décollage. Tous les paramètres à bord sont normaux. La propulsion est nominale.
Bon, ça se précise. Ça se précise de plus en plus. Tous les obstacles ne sont pas encore levés. Mais il y a du progrès. La base va se vider au fil des jours. La flotte va devenir le nouveau point de rassemblement en orbite autour de la Lune. À moins, bien sûr, que les difficultés ne s'aggravent. Bon, qu'est-ce qu'on a, là? Le clone défectueux, toujours pas retrouvé. Le retard sur le programme. Mais ça, on le rattrape petit à petit. Et puis l'objectif, bien sûr. C'est pas le plus petit détail non plus. On quitte la Terre, mais on sait toujours pas où on va. Bon, mais on y arrive. On y arrivera. Oxymut, le grand débarras. Écrit et réalisé par Walter Pouf sur une musique de Phaéton Pouf. Avec Kanitoshi, Phaéton Pouf, Stephen O'Quinn, Fred, Constance Vavavoum, Starlet, Delta Commander, Finn Baker, José, Finn Baker, Pythagore, Les Doigts d'Or, Puff Magic Fingers, Audrey Burke, Mogor, Emile Born, Hervé Quaral, Simone Piedalu, Herculea, Omega 3, Kenton, Monsieur Schmock, Quam, le Dev Clone, Naïd, Contrôle, François TJP. À suivre. L'inaudible.com.